Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online en compagnie de Croc l'insouciant, non je rigole. Et donc, comme vous avez pu voir, j'ai trois messages et quelqu'un m'a envoyé du stuff. Autrement dit, j'ai un de mes viewers très sympathique, je crois que c'est Shibito. Mince, j'ai oublié ton nom. Enfin, il se reconnaîtra dans les commentaires et il commentera sûrement. Donc il m'a envoyé du stuff, par contre, est-ce que j'ai la place? Alors ça, telle est la question, voilà, non. Oh là là. Par contre, ouais, du stuff niveau 32, je suis pas prêt de le mettre, hein, c'était pas ce que je veux dire. Oh, rétribution de blanc serpent. Mais c'est que ça a l'air sympa, ça. Toute une tenue de blanc serpent. Résistance au coup critique. Oui, c'est un peu du tanking, mais bon, pourquoi pas. Et donc, on a des matériaux bruts de couture qu'on n'a pas de place non plus pour prendre. Donc voilà. De toute façon, on n'est pas encore arrivé au niveau 16. On va aller parler donc à notre cher ami Croc, l'insouciant. Bonjour, Croc. Gloire à Kinaret, je vous ai trouvé. Vous n'imaginez c'est moi qui pas le nombre de personnes qui ont été éventrées par ces adeptes et leurs créatures. Du calme, dites-moi ce qui se passe. J'étais avec la mage Benel, près de la folie de Merovec. D'accord. Pour chercher une relique importante. Quand les morts vivants nous ont attaqués, nous avons été forcés de partir. Mais la mage a juré qu'elle était sur le point de trouver quelque chose. Elle a fait de la magie et a disparu. Et elle a disparu comme ça, Mimimati. Elle a dit qu'une crypte proche contenait une relique dont nous avons besoin pour vaincre Angoff. Je serais bien resté à ses côtés, mais elle a disparu. J'ai rapporté cet événement au commandant Alès, et il m'a dit de venir tout vous raconter. Vous avez une idée d'où cette crypte pourrait être? La crypte doit se trouver quelque part près des ruines de la folie de Merovec. Elle possédait un journal dans lequel elle écrivait constamment. Je suis sûr qu'on y trouverait l'emplacement exact de la crypte. Notre camp est établi à l'ouest du bastion. Sans doute son journal s'y trouve-t-il toujours. Je vais inspecter le camp et trouver la mage Benel. Hop. Bon, on a du boulot. Alors on a une quête à parler à Sir Malik Nazir. Ah oui, ils ont pas de vendeur dans cet endroit. Sieur Malik Nazir. On trouvait à la Syrie de Delaine les belles et plus sucrées pendant le printemps. Où va-t-on en trouver maintenant? Le voilà. Vous êtes de retour. Les serviteurs d'Angoff ont-ils été balayés par votre courroux? Ah, ça y est, je reconnais sa voix. C'est la voix du... dans Falling Skies. La voix du de l'espèce de caporal ou sergent, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, le mec le plus haut gradé militairement parlant de... du camp. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Une sainte tâche finement exécutée. Il faut apporter le repos aux âmes troublées afin qu'elles ne se relèvent pas. Merci de vous en être occupé à ma place. De rien. Parfait. Niveau 16. Peut-être pas exagéré non plus. Voilà, peut-être pas exagéré non plus. Vendeur, non, toujours pas de vendeur, toujours pas de vendeur, toujours pas de vendeur. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme autre quête? Alors, fille des géants, gnagnagna. La retraite de la garde du lion. Gnagnagna, gnagnagna, gnagnagna. D'accord. La retraite de la garde du lion est assez loin et j'aimerais trouver un marchand, maison, marchand de guilde. Mais je peux pas vendre un marchand de guilde. Bon, bah on y va, hein, tant pis. Hein. On récupérera le stuff de façon qu'on ne peut équiper qu'au niveau 16. Qu'une fois qu'on aura la capacité de l'équiper, bonjour, tout simplement. Arrêter de sprinter comme un malade. Ce serait peut-être pas mal. Qu'est-ce qu'on a de sortie? D'accord. Oh, mais c'est un mage. Plutôt que de me faire attaquer dans mon dos. Voilà. Hop les. Ça se passe plutôt bien. Plus le mage ayant bougé. Hop, non. Sale bête.
Personne d'autre sur moi, c'est parfait. Par contre, là, il doit y avoir sûrement des choses dans ces différents bâtiments, pardon. Je vais y arriver. On va peut-être le coup d'aller voir, même si je peux pas trop porter de choses. Ferme Godet, je suis déjà allé. Putain, c'est balèze derrière, n'empêche. Bonjour. Ferme Godet, mais c'est le même bâtiment, mais c'est pas... Ah, la vache. Ça va être compliqué, ça, encore. Étagère fouillée, la gloire de Boétia. Pourquoi pas. La commode est vide et le coffre est... rempli de silex. Les morts qui boitent. D'accord. Des patates! Oh putain, je peux pas prendre les patates. Est-ce que je peux cuisiner quelque chose? Non, forcément. Est-ce que je peux faire quelque chose à boire? Non plus. Bon. Tant pis. Hop, on ressort. C'est vrai que c'est très joli tout ça quand même. Hein. Bonjour. Étagère. On n'a rien appris. Oh. Et je ne peux pas y aller. Parfait. Vaisselier. Bon, on va le fouiller, mais... Ouh. Non. Non, je veux apprendre ma recette. Bedakai, je vous vire. Je vous vire. Je veux apprendre la recette. Merci. Du saumon au radis râpé. Oh putain. J'ai jamais été aussi heureux. Putain, elle en vaut de l'argent celle-là, eh. 113, dis donc. Par contre, la recette du muffin à la banane, je vais la supprimer aussi, parce que voilà. Petit nécessaire de réparation, matériaux. Divers, des boyaux. Je supprime. Les verres. Je supprime. J'ai 4 places, que ça suffit. Ah, bon. Est-ce que je peux récupérer ça? Comment je peux faire? Non, je peux pas récupérer. Faut que je récupère tout. Donc il me faut 6 places. Oh putain. Enchanté. Alors c'est laquelle celle-là? Point de dégâts de feu. Ah ça change. Ah oui d'accord. Ah oui. Bah... Non, je veux pas changer les dégâts qu'il y a déjà dessus. Bon bah je vais virer 2 bâtons. Tant pis, ça me fera de l'or en moins. Et on va quand même récupérer ce que notre ami Shibito nous a envoyé. Voilà, c'est Shibito, excuse-moi, je t'avais pas vu. Bon bah je suis content de pas m'être trompé du coup. Hop, voilà. Et on verra ça tout à l'heure. Enfin une autre fois sûrement. Ferme Godet. Et oh, il y a du monde. Bonjour, non, il n'y a personne. Bah. Ah, elle était couchée, le salaud. Bla, c'est caca ce que tu fais. D'accord, je sais pas de quoi tu es mort. Mais tu es mort et c'est tant mieux. Oh mon pauvre, je suis désolé. Tiens, c'est... Ah oui, non, je crois que c'était un sac. Mais j'en viens de ce campement. Ouh. Oui, mais ça vaut de l'argent, ça. Non. Ah. Ah bah 5, elle vaut rien, celle-là. Hop, casse-toi. Je veux pas de toi. Par contre, hache de bataille, encore une fois, c'est quelque chose que je ne peux pas utiliser. Est-ce que je peux, genre, qu'est-ce que je peux faire en cliquant droit? Mettre revue, convertir en style impérial. Non, bah y'a rien en fait. C'est complètement useless en fait. Tout simplement. Examiner le journal de Gabriel Bénel. Alors j'irai dans cette grotte au nord. Nord. Doit être par là. Trouver la crypte.
Jolie gargouille. C'est marrant, ça me dit quelque chose, cette histoire. Bonjour. Hop, excusez-moi. Un petit peu de fer. Trouver la crypte. Ouh. Je crois que j'ai trouvé la crypte. What? Meurs, charogne. Hop. Nous y sommes. Entrons. Non? Oui, non? Ah oui, non, il est là. D'accord. Bon. Hop, d'accord. Donc, je m'attendais à un donjon, en fait, ou un truc instancié, mais apparemment non. Donc, eh bien, écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous retrouvez le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé qu'elle soit aussi courte. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!